Et le huitième jour, il leur dit, bon, j'étais là. Bon, ok. En fait, dans le vrai songe, hop, en fait, j'étais là. C'est pareil. En fait, j'étais là. Et alors, ce matin, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Tout va bien, là, je suis en pleine forme, ça va. Pète le feu, j'ai encore paumé mes clés, mais hier, c'était génial. Guitare trompette, ça doit tuer. Alors, je vais écrire ma lettre au pape. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils m'ont dit ce matin? Bon, t'as ton billet, t'as ton passeport, mais t'as pas de thune. Alors, t'as qu'à prendre dans la caisse, mais c'est la caisse du Vatican. Alors, tant qu'à faire, qu'il serve à quelque chose. Alors, je vais écrire au pape. Puis en plus, je vais lui écrire. Bon, moi, j'ai le choix entre ou le tremblement de terre ou un missile dans l'avion. Ou je m'abîme par terre ou je m'abîme en l'air. Non, je sais pas, peut-être faire juste un aller-retour en Tunisie, je ne sais pas. Si je peux prendre le retour, si c'est le même avion qui rentre, je vais dire, oh, bah, je suis déjà dedans. Je sais pas. Je suis allé à l'église ce matin. J'ai demandé s'il n'y a pas des missions chrétiennes en Tunisie. J'ai expliqué, je sais pas, bah, j'ai pas de sous, quoi. Les sous que mes mains, ils ont travaillé à Noël, bon, bah, j'ai pris mon billet d'avion. Les sous que mes mains, ils ont travaillé bah, au jour de l'an, bah, j'ai acheté le passeport. 86 euros le passeport. On va dire que je me répète, mais ça marque. 25 euros pour faire ta carte d'identité. Moi, j'ai pas besoin de la carte, j'ai l'entité. Il faut que tu aies ton numéro de sécu, il faut que tu aies ton numéro de la CAF, ton numéro de passeport, et voilà. T'as un code barre. Ça y est, on en est là. Il n'y a plus d'humain, là. C'est grave, là. Enfin voilà, et j'ai mis mes éléphants. Moi j'étais le quatrième éléphant, bon on n'y voit rien. Fais gaffe au réglage de la chaise. Et ça c'est la bougie de Stéphane, il a eu 52 ans hier. Et moi je l'aime bien Stéphane, tu vois. Mais il est tombé sous un diable, sous cacheton. C'est pareil ça vous. Vendons, appelons ça un médicament, vendons, droguons le peuple. Ça veut dire exactement ça. Si tout le monde y buvait un bon coup et fumait un bon pétard, il n'y aurait plus une pharmacie d'ouverte. Sans déconner.